Hey les techniens, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau glitch duplication. Donc on va commencer directement par les préparatifs. Donc on va sur le téléphone et on va vous montrer directement tout ce qu'il faut. Donc en premier temps il vous faudra le centre d'opération mobile avec pour module 3 le dépôt de véhicule personnel. Ok, donc ici pour ma part vu que j'ai acheté le pack d'entrée dans le monde criminel, ils sont à 0$. Ok, vous achetez et il faudra vous le mettre dans l'entrée de service de la boîte de nuit. D'accord, donc moi pour ma part j'ai déjà mis un d'une fave, donc ça sert strictement à rien que je remette une boîte de nuit. Mais attention, il faut pas une boîte de nuit qui soit soit elle. Faut pas que ce soit ces trois là, elle. Faut qu'elle soit le plus loin de l'aéroport, parce qu'en fait au plus on est loin de l'aéroport et au plus c'est facile, parce que là le temps de chargement est très petit contrairement à là. Donc il vaut mieux acheter celle là en plus elles sont en promo. Franchement celles là elles sont en promo, regardez, 1,2 million au lieu de 1,6 million, et avec toute la customisation, tac. Si vous voulez vraiment tryhard, non, si vous voulez changer, c'est ça en plus, c'est 23 000$. Bon, moi, voilà. Donc, on va le faire quand même pour vous. Entrepôt, vous avez tout. Danseur, vous mettez style 3, neige carbonique, bien évidemment. Et ça vous fait pour 1,8 million toute la boîte de nuit. Bon, pour ma part, j'avais déjà ça. Voilà, j'avais déjà ça. Et ça, donc c'est ça qui m'a aidé un peu, mais franchement c'est plutôt pas mal. Donc ben, ça vous coûte à peu près 1,6 million, 1,7 million, voire 1,8 million grand max. Donc c'est tout ce qu'il vous faudra. Ok, bon moi pour l'instant hop, et bien évidemment il vous faut un véhicule à dupliquer, donc ça peut être une super sportive très très chère du style la X80 Proto ou la Trax. Il faut que j'essaye avec le scramjet, enfin avec la scramjet et la vigilante. Donc là hop, bien évidemment moi je le fais là ici anticipation. Donc vous sortez, hein, c'est pas compliqué, juste vous sortez de votre centre d'opération mobile. Là vous voyez chargement, hop. Donc moi pour ma part je vais utiliser la technique de téléportation. Donc en gros ça veut dire que je vais faire tac tac comme ça, et ensuite je vais mettre ça, hop, je fais lancer l'activité, ok. Donc là ça va me faire sortir de mon bunker. Donc là voilà, ça m'a fait sortir. Ça va faire hop, voilà, vous arrivez là. Bon moi je vais éteindre la radio, comme ça moi ça ne nous embête pas. Là je vais faire double en ami ou alors rejoindre une communauté. Donc c'est pas du tout compliqué. Donc la croix est rond. Vous allez avoir une erreur réseau et survenir en essayant de vous connecter à la session de votre ami ou de votre je sais pas trop quoi. Et là vous allez vous diriger directement à votre garage de la boîte de nuit. Donc très important les gars, il faut aller dans l'entrée dans la boîte de nuit, parce que j'ai galéré la première fois à trouver, parce que j'y allais pas du tout à ma boîte de nuit. Donc c'est pour ça, faites attention, faut aller au garage, enfin entrer dans la boîte de nuit au niveau des garages, et vous spawnerez au même endroit que moi et ce sera beaucoup plus facile. Donc là bien évidemment les chargements sont longs. Voilà, donc là vous allez spawner ici. Vous allez voir que ici vous allez avoir votre d'une fave. Et c'est comme la manipulation, sauf que là en fait on va d'abord faire flèche de droite et ensuite R2. Donc c'est le même temps, donc ça fait comme ça. Normalement j'ai réussi. Je suis pas sûr. Voilà, donc j'ai réussi. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, ben moi j'ai fait bouton start, hop, je vais lancer l'activité qui est juste ici, parce que c'est la plus proche.
Voilà, vous attendez bien qu'elle charge, bien évidemment. Hop, on éteint. Là, c'est bon. En fait, il faut qu'il y ait le truc quitté pour voir que c'est bien chargé. Vous soyez en mode de visée libre, bien évidemment. Hein. Vous soyez en mode de visée différent. C'est pour ça que vous allez avoir rejoindre une session, vous allez faire autoriser. Et là, l'activité, donc le passe-temps ou la session que vous essayez de rejoindre, utilise un mode de visée différent. Voulez-vous le modifier? Vous pouvez être rond. Et ça vous met ce message d'erreur. Et là, vous avez juste à faire ça. Voilà, pas compliqué du tout. Puis je sens qu'il va m'embêter. Au cas où. Et hop. Donc hop. Et voilà, vous allez dans un bunker. Franchement, c'était pas crédible, mec. Mais au cas où, je préférais mieux. Comme ça, au moins, ça m'évitait tous les problèmes. Bon, après, je dis pas que je vais avoir d'autres problèmes, mais. Mais bon. Donc là, vous allez monter dans votre ici. C'est pas compliqué du tout. Et là, votre plaque va changer. Donc, moi, je peux pas vous montrer parce que j'ai mis la customisation au max avec les mortiers. Mais je pense que bientôt je vais acheter une autre ici où je vais pouvoir mettre la truc. Et là vous allez faire flèche de droite, dépôt de véhicule plein, vous faites OK. Et votre ici anticipation qui était dans votre garage, enfin plutôt l'ici anticipation qui était dans votre centre d'opération mobile, donc c'était l'original, a été modifié en une fave ici anticipation. Et donc du coup celle-là c'est l'original. Là, pour ma part, je vais sortir de la remorque pour en fait changer de place l'ici anticipation et pour pouvoir la stocker. Donc c'est pas du tout compliqué. Ok, hop, tac tac. Sortir bien évidemment. Donc moi je sais pas pourquoi je suis sorti. Mais bon, j'ai décidé de sortir. Voilà. Un peu de quand même. Là, vous connaissez la technique. Hop, vous allez mettre un point sur le truc, sur l'activité la plus proche. Lancez l'activité. Ok. Là, ça va vous faire tac. Hop. Vous allez atterrir au niveau du chargement là-bas. Voilà, j'éteins toujours. Hein. Et là, hop, vous allez voir que ici, j'ai le quitté. Donc, ça met plus de temps que prévu. Voilà, hop, quitter. Une erreur résolution. Et là, vous allez directement à votre entrée dans le. Je sais pas trop quoi. Alors, bien évidemment, il faut attendre. Du coup, moi, il faut que j'attende toutes les livraisons des. D'une fave, et en fait les d'une fave en fait vous allez les bon ben voilà, ils sont tous livrés je crois. Voilà, là je fais R2 bien évidemment pour pouvoir avancer et on fait ça à l'infini bien évidemment les potes, c'est gratuit et en plus je revends les et en fait on revend les ici anticipation 1 700 000, enfin 1 700 000 des brouettes 4. Ok, donc ça me fait quand même ma rentrée et en fait je vais remplacer ce véhicule par l'autre et donc du coup le Dunca sera dans l'entrée dans la boîte de nuit. Donc pour ma part, hop, voulez-vous vraiment? Et hop là, ça m'en fait 2 sur 10.
Donc ça, et vous pouvez le faire sur les trois gar... enfin sur les quatre garages, pardon. Et là, vous pouvez faire moi pour ma part, je vais aller à la boîte de nuit. Donc voilà les petits potes, c'est déjà tout et je vous laisse sur ça. Ciao ciao.